Eh ben salut tout le monde, c'est LastGamer54, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII, l'original hein, tout simplement. Et on s'est arrêté ici dans le précédent épisode, du coup j'enchaîne le même jour, hein, parce que voilà, je pouvais pas mettre de pause, ni sauvegarder, etc. Du coup, je préfère continuer directement le même jour. Attends, attends, dis-je. C'est l'épisode 5, si je dis pas conneries. Ralentis, ne abandonne pas. Étonnant, je croyais que tu étais destiné à appartenir aux soldats. Hey, oh, que veux-tu? Tu veux peut-être terrible? Hey, Claude, as-tu jamais appartenu aux soldats? J'ai appartenu, comment as-tu deviné? Ah, tes yeux, ils brillent d'une étrange façon. C'est la marque de ceux qui ont insufflé de la Marco. La marque de soldat. Mais comment sais-tu ça? Oh, ce n'est rien. Rien. C'est ça, rien. Bon, allons-y, garde du corps. Eh ben, allons-y. Hop. Yap. Hop, on s'est échappé. Maintenant quoi? Ma maison se trouve par ici, dépêche-toi avant qu'il arrive. Ok, allons-y ma petite. Ah bah tiens, un point de sauvegarde. Si vous remarquez les amis, j'arrête toujours les épisodes juste à côté de la sauvegarde. Mais bon, je me rappelle plus trop le jeu au fait. Si j'ai des souvenirs qui. Je me rappelle des passages, mais sans plus quoi. Après c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça on va l'enlever. Ah, petit combat. On va se soigner, même si ça sert à rien. Boum! Ça fait bim bam boum. Bon. Attends, je vais lui faire éclair pour voir. Ah, nickel! Bon, normalement, t'es mort, mon petit. Yaouh! Yes! Alors, du coup, je suis. Bon, c'est là-bas. Par là. Alors, ici, maintenant, on n'a pas de combat parce qu'on est dans une ville. Et on a la maison de Iris. Et normalement, là-haut, on a un truc à ramasser. Deux trucs à ramasser. Déjà. Un éther, ça sert toujours. Et couverture. Voilà. Et là, cette fois-ci, allons voir la mère de Iris. Bah, plutôt. Pour ceux qui ont vu le remake, hein, vous savez, c'est pas vraiment trop sa mère. Je suis de retour, maman. C'est Cloud, mon garde du corps. Ton garde du corps, tu veux dire qu'il te suivait encore? Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais très bien, Cloud était avec moi. Merci, Cloud. Alors, que vas-tu faire maintenant? Le 7h07 est-il loin d'ici? Tu veux me rendre au bar de Tifa? Tifa, c'est une fille? Oui. Une amie? Ta petite amie? Non, 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 non.
Bon, excusez-moi les amis, j'ai eu un petit problème. J'ai fait interrompu, du coup, j'ai pas pu de. Voilà. Désolé. Eh bien, je sais pas qu'on avait des pas une fille. Une fille, que veux-tu dire? Tu crois que je vais t'écouter pour avoir entendu dire une chose pareille? Maman, j'emmène Claude au 7h07, à tout à l'heure. Mais j'abandonne, t'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain? Il fait tard. Oui, tu as raison, maman. Allez, Gris, s'il te plaît, va faire le lit. Ah oui, c'est vrai que connerie de sortir de la chambre sans faire de bruit. Cette lueur dans tes yeux, tu vas sauter, non? Oui, ou plutôt j'ai été. Je ne sais pas comment te le dire, mais tu dois pas. Tu dois partir cette nuit sans le dire à Iris. Et je sais plus comment faut faire pour marcher ralentiment. Ça, en fait, t'as une touche, faut faire, mais je sais plus. Tu dois passer par le 7h06 pour arriver au 7h07. Le 7h06 est assez dangereux, mais alors tu ferais mieux de te reposer ce soir. Cloud, bonne nuit. Oh. Ok, il dit bonne nuit, il fait oh. L'air plutôt fatigué. Cloud, cela fait une éternité, je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Oh oui, depuis tout ce temps. Dis donc, tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'attends à ton sujet. Dans la vie, on nous laisse vite te tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça conviendrait. Ça m'intéresse pas. J'ai dû m'endormir. Le 7h07, je trouve après le 7h06, je devrais me débrouiller ça. Ok, c'est bon. Toc, on va sauvegarder. Pourquoi on peut pas? Ah, voilà. Si on peut, on peut, on peut. Je suis en train de tenter un truc, les amis. Je suis en train de regarder l'heure. Ouais, ça va pas faire un long épisode. Si je m'arrête ici. Après, j'ai pas envie de trop continuer non plus. Que ça fasse beaucoup de choses, en fait. Trop chargé. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Même si ça est court, eh ben, vaut mieux que ça soit un peu court. Pas trop long non plus. De temps en temps, un peu long, ça va. Mais trop longtemps. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va durer. Ouais, je pense que ça va durer une dizaine de minutes, une quinzaine. Je verrai. On verra bien. En tout cas, sachez ici, les amis, on se retrouvera très prochainement pour la suite de l'aventure. Comme d'habitude, mercredi prochain, vous aurez la suite de l'aventure sur Final Fantasy VII Original. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Bisous, bisous. Et à la prochaine. Bye bye.